Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yans Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yans Reborn. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant. En même temps, une réaction. La réaction d'une personne qui a été touchée par quoi? Par ça. Regardez bien là-bas. Un petit qui est en train de prêcher en plein marché. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle apparaîtra en dessous de cet écran. À la fin de cette vidéo, vous pourrez la voir de vous-même. Mais c'est vraiment touchant. Une personne a été touchée par cette affaire. C'est un père de famille, un chrétien, qui a décidé de réagir par rapport à tout ça et nous dire vraiment ce qu'il en pense. Franchement, il a été touché. Être un parent n'est pas facile. Quand on a un enfant, il faut lui donner l'éducation nécessaire et prier pour que Dieu entre dans son cœur, pour que le Saint-Esprit puisse entrer en lui et qu'il puisse suivre le bon chemin. Et quand on voit ça, un enfant qui était de prêcher la parole de Dieu comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ses parents même disent? Waouh, j'ai mis au moins un enfant. Et finalement, mon enfant a choisi le bon chemin. Il a choisi Jésus. Il n'a pas choisi d'être voleur, mais il a choisi Jésus. Il n'a pas choisi d'être microbe, mais il a choisi Jésus-Christ. Et il prêche. Il parle de Dieu au champ. Et Dieu a sa main sur lui. Abraissez mes frères et sœurs. Abraissez mes frères et sœurs parce que ça c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, il faut le dire. Oui. Tu ne peux pas voir le ciel bleu, tu as dit que le ciel est rouge. Et c'est une chose hors du commun qui a touché beaucoup de personnes. Mes frères et sœurs, c'est vraiment impressionnant. Et cette personne a vu aussi comment l'enfant a prêché et il prêchait de l'évangile. Et cette personne a décidé de nous dire comment elle-même, dans son passé, son père lui a donné de bonnes leçons. Cette personne va nous dire que c'est vrai, vous pensez à l'héritage que vous allez laisser pour vos enfants ou encore à vos enfants, mais vous ne vous souciez pas de leur état d'âme ou encore de leur vie spirituelle. Parce que la meilleure chose que vous puissiez donner à votre enfant, ce n'est pas de lui donner des millions ou de ne pas de lui laisser un héritage matériel. La chose que vous pouvez lui laisser, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie. Ça, c'est un héritage à partager, à transmettre à nos enfants de génération en génération. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans ce monde. Comment les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et comment le diable lui-même travaille contre nos enfants. Aujourd'hui, dans les dessins animés, on voit beaucoup de choses occultes. C'est que de la magie là-bas, on vous en a parlé. On apprend le satanisme aux enfants. Les gens donnent la sorcellerie aux enfants. Et même à l'école. Quand vous allez à l'école avec la Bible, on vous dit non, n'y entrez pas. Retournez à la maison avec cette Bible. Parce que tant que vous avez la Bible sur vous, vous ne pouvez entrer dans une classe. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens sont devenus comme insensibles à la parole de Dieu, à l'Esprit, au Saint-Esprit. Nous devons nous réveiller et donner l'éducation nécessaire aux enfants, à nos enfants. Au lieu de donner chaque jour des millions à ton enfant, il faut lui donner la parole de Dieu. Il faut l'aider à prier, apprendre ton enfant à prier. Il faut connaître très tôt à ton enfant ce qu'il doit savoir pour que quand il va devenir grand, il ne puisse pas s'en détourner. Si tu donnes Jésus-Christ à ton enfant, et si toi-même tu montres l'exemple à ton enfant, quand l'enfant va voir ça, il va se dire, j'ai vu mon père et je savais ce qu'il faisait. Il avait une grande crainte pour l'Éternel des armées. Il avait un grand respect pour le Fils de Dieu.
pour Jésus-Christ. Donc moi aussi, je vais le respecter et faire comme lui. Parce que oui, les enfants nous regardent, nous, leurs parents. Que devons-nous faire? Nous devons prier et enseigner les enfants selon la parole de Dieu. Un père va nous expliquer comment son père, lui-même son propre père, qui n'était pas riche, doit donner une grande richesse. Cette personne va nous expliquer comment son père ne lui a pas laissé un héritage, mais lui a donné Jésus-Christ dans sa vie et qui est plus grand que tout. Et aujourd'hui, que lui-même est devenu père, il donne de bonnes choses à ses enfants. En fait, il donne la parole de Dieu à son enfant. Et il dit que son enfant est vraiment un très bon enfant. Il est fier de son enfant. Son enfant est respectueux. Et franchement, il est content. Et sa prière, c'est que Dieu lui donne longue vie, afin qu'il puisse continuer à éduquer l'enfant, à donner de vrais conseils à l'enfant, et que Dieu fasse le reste. Nous allons l'écouter. Mais avant, nous allons prier ensemble et demander au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu lui-même, de venir nous aider à nous concentrer aussi sur nos enfants, bien plus que ce que nous faisons de notre travail et autres. Que Dieu nous aide vraiment. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Que ta paix soit sur nous. Que ta lumière descende sur nous et sur notre maison. Là où les ténèbres sont laissées loger, que ton feu dévorant descende là-bas pour tout détruire, ôter le mal ou l'esprit du mal dans notre maison. Ôter, chasse l'esprit du mal dans nos enfants. Chasse tous les esprits mauvais dans notre vie. Que ta main puissante, Seigneur, puisse nous protéger comme un œuf. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous des pécheurs. Si toi tu ne nous pardonnes pas, qui va nous pardonner? C'est toi qui ne veilles pas sur nous, qui va veiller sur nous et nos enfants. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous guider chaque jour. Les temps sont difficiles. Il y a des virus passés par là. Il y a de mauvaises choses à la télévision. Les enfants tombent parfois sur des contenus à caractère sexuel. Que devons-nous faire, Seigneur? Que devons-nous faire? Si toi, tu ne nous aides pas, qui va nous aider? S'il te plaît, viens nous visiter aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu feras encore pour nous. Nous savons que tu as un plan, un bon plan pour nous sauver et pour sauver nos enfants. Nous ferons tout ce qui est à notre possible pour leur donner le meilleur conseil. Nous ferons tout ce qui est à notre possible pour les inculquer l'éducation qu'il faut et selon ta parole, afin qu'ils ne puissent pas dévier, afin que les choses de ce monde ne les amènent pas à dévier, afin que même leur passion ne les amène pas à dévier du bon chemin pour se retrouver chez le diable. Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous les jours de notre vie, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent partout. Fais déploie tes anges depuis le ciel, à descendre sur la terre pour protéger chaque famille, chaque maison, que les maisons soient protégées par toi, et qu'aucun virus n'entre là-bas, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Verrouille chaque famille et empêche l'ennemi d'y entrer. Que toi-même, Seigneur, tu rentres dans notre cœur. Tu nous donnes la force et le courage aussi, parce que nous devons affronter toutes ces choses aussi. Quand l'ennemi vient pour nous attaquer, donne-nous la force de renverser tous les plans et tous les pièges. Que les flèches des ennemis n'aboutissent jamais. Veille sur nos enfants, veille sur notre progéniture.
que ta main qui restaure la vie nous restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué par l'ennemi de notre vie, que nous savons, nous ne savons pas. S'il te plaît, Seigneur, viens tout bloquer, viens déraciner tous les arbres de la sorcellerie qui se trouvent dans notre vie. Toutes les arbres, tout de ça, du satanisme, de l'occultisme dans notre vie, même dans notre pays, même dans notre continent. Que cela soit déterré aujourd'hui, que le monde entier soit libéré. Que cet moyen puissant touche des vies et délivre des vies. Seigneur Jésus-Christ, tu nous exauces toujours et nous te remercions pour ça. À l'heure de la tentation, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Viens visiter nos enfants aussi et ne les laisse pas dans l'ignorance. Quand les sorciers viennent les visiter dans leur sommeil, s'il te plaît, Seigneur, viens les garder. Souviens-toi de nous, souviens-toi de nous et ne nous laisse pas, Seigneur, dans la confusion. Merci de nous protéger. S'il te plaît, veille sur nos enfants. Nous voulons qu'ils réussissent. Mets en nous, dans notre bouche, des paroles de bénédiction pour eux, afin que ces paroles puissent avoir des effets sur eux et les aider dans leur vie. Nous retirons toutes les paroles de malédiction que nous avons prononcées sur nos enfants, consciemment ou inconsciemment, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Appelez-vous, mes frères et sœurs. Appelez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Vous devez prier pour vos enfants. Maman, il faut bénir ton enfant. Tu as trop prononcé de mauvaises paroles sur lui. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si toi, tu ne bénis pas, qui va bénir ton enfant? Donne du courage à ton enfant. Donne du zèle à ton enfant. Donne ce qu'il faut. L'argent seul ne suffit pas aujourd'hui. Vous avez besoin de la parole de Dieu en famille. Prêche la parole de Dieu. Parle de Jésus-Christ à ton enfant. Qui est Jésus-Christ? Et dis à ton enfant que dans le moment difficile, qu'il invoque un seul nom, Jésus. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, dans sa bouche, va lui permettre de rencontrer Dieu, son sauveur et son unique sauveur. Jésus est mon seul sauveur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le seul sauveur de votre vie et de la vie de vos enfants, de vos frères, de votre famille. Vous devez accepter Jésus-Christ, lui seul peut nous aider. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous devez prier. Vous devez vous lever dans la prière. Oui. Vous pouvez revenir encore en arrière et réécouter cette partie où on priait et reprendre la même prière. Ça aura des effets. Ça aura des effets! Parce que Dieu nous exauce toujours. À 100%. Je suis un témoignage vivant de la présence de Jésus-Christ dans notre monde, parmi nous. Soyez prêts. Maintenant, cette personne va parler et va nous expliquer vraiment son histoire. Vraiment, quand j'écoute ça me fait beaucoup mal au cœur. Nous tous, nous avons eu la possibilité d'avoir des parents qui ont des moyens pour s'occuper de nous et nous donner ou et nous laisser un héritage. Mais une chose qui dépasse tout ça, c'est la parole de Dieu, l'éducation, la connaissance de Jésus-Christ que souvent même nos parents font pour nous. C'est tellement extraordinaire. Quand nos parents nous envoient à l'église, on se dit, ah, on va dans la maison de Dieu. C'est comme aller au paradis. Et ce sont des choses, quand on grandit avec, ça reste dans notre tête, au point où quand on a une difficulté, notre premier réflexe, c'est d'aller voir Dieu à l'église. Regardez ça. Que se passe-t-il ici? Cet homme a des problèmes. Trop de problèmes. Trop de problèmes dans sa vie. Il ne sait même pas quoi, comment faire. Il s'est dit, il faut que je cherche Dieu. Parce que mes problèmes deviennent graves. C'est exagéré. Ça me dépasse. Pourquoi tout ça? Dès que l'enfant est petit comme ça, instruisez l'enfant selon la parole de Dieu. Et quand il va devenir grand, il ne va jamais s'en détourner. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons le témoignage de notre frère maintenant. C'est sa réaction. C'est parti. Que Dieu vous bénisse et que la fête de Dieu soit sur vous. Amen. Je suis vraiment touché dans mon cœur par rapport à la vidéo du petit qui parle. Hein. Vraiment, depuis tout à l'heure, je fais que la regarder. Je l'ai vu au moins une dizaine de fois, tellement que ça me touche.
Je suis bouleversé par cette vidéo parce que maintenant on voit cet enfant qui parle de lui-même. On voit que c'est pas quelque chose qui est trafiqué parce que il est en train de se filmer lui-même. Voilà, d'où l'importance de parler de Dieu et d'inculquer la parole de Dieu à ses enfants. Instruit l'enfant dès sa jeunesse et avec le temps il s'en détournera pas. Je vous parle en vérité et puis vraiment je suis touché parce que quand je vois ce petit garçon parler de la croix, quand je vois parler de Jésus avec une conviction en lui, je suis vraiment touché. Et je vous promets, je me lasse pas de regarder cette vidéo parce qu'on sent que vraiment il est éduqué dans les voies de Dieu. Et c'est tellement bon de voir ça là maintenant par les temps qui courent. C'est tellement bon de voir une telle sincérité. C'est pour ça que le Seigneur qui nous dit il faut devenir comme des petits enfants parce que le royaume des cieux est à eux. Et à cet âge-là, ils réalisent que Dieu est grand et puissant. Et vraiment, je suis touché de la façon dont il parle, dont il parle de comment il, la façon qu'il parle de Dieu, comment il s'exprime. Avec ces mots qui dit Jésus a mouru et que normalement il est ressuscité 2 ou 3 jours. Vraiment, ça me touche. Et voilà pourquoi vous qui êtes parents, je vous dis donnez ce qui est le meilleur aux enfants. Ne donnez pas de l'argent pour qu'ils sortent. Je vous le dis, je parle avec mon cœur. C'est bien d'acheter des belles voitures, de faire tout cela, mais le plus important, c'est pas qu'ils possèdent des belles voitures ou des beaux vêtements ou qu'ils connaissent le monde très tôt. Le plus important, c'est qu'ils connaissent, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, eh bien c'est cela, c'est de laisser Jésus-Christ dans leur cœur, d'être marqué de l'instruction, de l'amour de Jésus-Christ. Vraiment, 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 je suis vraiment touché. Que Dieu bénisse ce petit garçon, que Dieu bénisse son père qui est futur serviteur de Dieu, qui bénisse eh bien sa mère, et que voilà, que continuez vous qui élevez vos enfants dans les voies de Dieu. Ne, il faut pas désespérer. Vous savez, on voit tellement de cas autour de nous que des parents, eh bien, leurs enfants sont plongés dans la drogue, sont plongés dans l'alcool. Frères et sœurs, priez, intercédez pour vos enfants. Mais vous qui avez des petits-enfants, il faut les instruire dans la vie de Dieu. Et le meilleur exemple, c'est vous. La vie que vous avez avec Dieu, c'est vous que vous pouvez les inculquer dans votre façon. Les enfants sont les reflets des parents, comme la lune est le reflet du soleil. Je vous dis en vérité, dans l'époque où on vit, il faut laisser vraiment des bonnes choses à nos enfants. Je pense à mon père et à ma mère qui nous ont instruits dans les voies de Dieu. On était tout jeunes et vraiment, quand je vois ce petit garçon, ça me rappelle et ça fait remonter beaucoup de souvenirs en moi quand je voyais mon père prier le Seigneur et qui priait bien pour moi, qui priait pour mes frères. Ça me rappelle eh bien quand le matin il nous faisait lever et là, on priait avec lui. Je me souviens que mon père se levait à 5h du matin et pendant plusieurs années, il priait le Seigneur. Je me souviens de tout cela. Mon père n'était pas serviteur de Dieu, il était simplement chrétien. Et je me souviens que devant notre caravane, devant mon père avait une toile en plein hiver, il y avait de la gelée. Je me souviens, il se levait à 5h du matin à l'époque. Et à l'époque, on avait des bidons de lait qui étaient, je crois, en alu. Et il retournait, il mettait du sable à l'intérieur et il mettait de l'alcool à brûler dedans pour pouvoir faire un feu, pour pouvoir se réchauffer. Et je me souviens qu'il y avait plus de 25 ou 30 personnes tous les matins à cette heure-là qui venaient eh bien prier devant notre caravane. Il y a beaucoup de souvenirs comme ça. J'étais beaucoup marqué par l'éducation que j'ai reçue de mes parents au niveau des choses de Dieu. C'était pas les meilleurs chrétiens du monde, je vous promets. Mais je sais une chose, c'est que il s'est forcé à vivre la vie de Dieu. Et la preuve aujourd'hui, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est parce que je l'ai reçu de mon père et de ma mère. Donc aujourd'hui, moi, j'essaye de transmettre cela à mes enfants. La Bible elle dit enseigne l'enfant dès sa jeunesse et avec le temps il s'en détournera pas. Et quand je vois cette petite vidéo qui m'a chamboulé et qui m'a touché, j'avais envie de faire cette vidéo là. J'avais envie de vous dire ne laissez pas vos enfants à maman. N'abandonnez pas vos enfants à maman. Ne donnez pas vos enfants à maman. Ne donnez pas de l'argent pour qu'ils fassent comme les autres jeunes. Il faut pas les inculquer dans la vie du monde, c'est-à-dire d'être supérieur à d'autres,
à d'autres enfants en leur achetant les habits à des vêtements à hors de prix. Il ne faut pas les habituer dans ces choses-là. Il faut les habituer à être humbles, à aimer les gens, à respecter les gens, à vivre eh bien avec son prochain. Il faut les élever dans tout cela, dans les valeurs de la Bible, ou qu'on verra chez eux eh bien une éducation qui vient de Dieu et non eh bien du monde. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vraiment, je parle avec mon cœur parce que mon but à moi, si Dieu me prête vie et si vraiment Dieu me donne la grâce de vivre assez longtemps, de pouvoir instruire mes enfants dans les voies de Dieu, c'est mon rêve le plus cher de voir bien mes enfants appartenir à Jésus-Christ. Parce que tout comme mon père, quand mon père est mort, il m'a pas laissé d'héritage, mais je vous promets, il m'a instruit la plus grande héritage. Il m'a donné la plus grande héritage. Pourtant, mon père était illettré, il ne savait pas lire. Mais je me souviens, ma mère savait lire. Le matin, il faisait lever ma mère et il lui faisait lire la Bible et des versets de la Bible. Et je me souviens qu'il priait le Seigneur. Et tout cela, c'est marqué là, ici, mais c'est marqué aussi dans mon cœur. C'est pour ça. Donc, instruisez, inculque. Et le mot inculquer, c'est marqué, comme marqué au fer rouge. Il faut que vos enfants soient dans les voies de Dieu. Amenez-les dans les voies de Dieu. Comme si vous vivez la vie de Dieu, automatiquement vos enfants verront en travers vous la lumière. Ils verront eh bien des exemples. Vous savez, le père et la mère, ce sont des points de repère. Des points de repère. La société aujourd'hui fait tout pour que le père et la mère soient eh bien à fond dans le travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes tournent mal. Et c'est pour ça que beaucoup tournent dans la drogue. Et puis que beaucoup, excusez-moi, des jeunes filles, des jeunes garçons se souillent avec beaucoup de choses. Et je ne vais pas être cru, mais vous comprenez qu'il y a aujourd'hui des choses qui ne vont plus au milieu de la jeunesse. Le point de repère aujourd'hui d'un enfant, c'est le père et la mère. Je vous promets. Mais si nous sommes trop préoccupés par qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, je vous dis, on vit les derniers temps, et puis ce que vous allez laisser, vous allez laisser rien du tout parce que la terre est appelée à disparaître. Tout va très mal, mes amis. Donc c'est pour ça, les vraies choses qui vont demeurer, tout passera, la Bible dit, mais ma parole ne passera pas. C'est Jésus qui dit cela. Sa parole ne passera pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut instruire les enfants dans les voies de Dieu. Il n'y a rien de plus beau à un enfant qui grandit dans les voies de Dieu. Vous savez, la réussite d'une vie, c'est pas que votre enfant a un cerveau à quatre étages. La réussite d'une vie, c'est pas que votre enfant possède une belle voiture plus grande que l'autre jeune qui est à côté ou qui possède les plus beaux habits. C'est pas ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est quand je vois des jeunes appartenir à Jésus-Christ et qui ont résolu dans leur cœur, comme Daniel, comme eh bien Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient décidé dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ils ont été déportés de Jérusalem. Ils ont été amenés dans une ville. On a même changé leur nom. On avait changé leur nom, mais on n'avait pas changé leur identité. Leur identité était eh bien des enfants qui avaient été élevés dans les voies de Dieu, dans les valeurs de Dieu, dans la Torah. Ils étaient imprégnés de la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause que les parents, eh bien, avaient instruit les enfants dans les voies de Dieu. Ne donnez pas vos enfants à maman. Ne donnez pas vos enfants à maman. Vous savez, il y en a qui me disent, j'écoutais ça, j'ai écouté des chrétiens dire, même des pasteurs dire que leur fils, il fallait qu'il profite de la vie. Mais en faisant cela, c'est, excusez-moi, et je vais être dur dans mes mots, c'est comme si vous offrez vos enfants, eh bien, à l'ennemi. C'est comme si vous les livrez à l'ennemi avec des choses, avec des mets du roi. Et les mets du roi, ce ne sont pas les mets du roi des rois, mais du prince de ce monde. Et le prince de ce monde veut prendre vos enfants. Et il veut prendre vos enfants pour en faire des esclaves, tenus dans la drogue, dans l'alcool et dans tout ce que vous voulez, dans toutes sortes de plaisirs charnels. Des choses qui mènent vos enfants à la mort. Et c'est pour ça que vous devez vous combattre. C'est pour ça que vous devez combattre. Et c'est pour ça que vous devez vous lever le matin et prier, intercéder même la nuit, prier pour vos enfants. Et après, vous savez, quand on donne ces choses du monde à vos enfants, il faut pas se plaindre après. Si on sème, eh bien, le vent, on récolte la tempête et automatiquement, c'est cela. Mais si on sème la parole de Dieu, alors ils auront cette semence et cette graine en eux et ils grandiront avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la jeunesse. C'est le commencement de la sagesse, pardon.
Donc voilà le message que j'avais à dire par rapport à cet enfant qui parle. Que Dieu bénisse, eh bien, vos enfants, que Dieu bénisse mes enfants. Mais la meilleure façon, vous savez, il y en a qui présentent leurs enfants, eh bien, à Dieu dans les réunions en croyant que c'est, eh bien, une protection. Mais c'est pas ça. On peut présenter nos enfants à Dieu comme on fait dans les réunions. Et puis, si tu ne vis pas la vie de Dieu, si tu ne les instruis pas dans la vie de Dieu, dans la vie de Dieu, ils connaîtront pas Dieu. Moi, je vous dis franchement, la présentation d'enfants, et je veux pas faire un débat là-dessus, mais vous allez comprendre, c'était avant pour les Juifs. C'était pour ceux qui étaient bien présentés dans le temple. Mais la meilleure façon de présenter vos enfants à Dieu, c'est de chaque matin se lever devant Dieu, vivre la vie de Dieu, remettant votre foyer, votre vie dans les mains de Dieu, et en vous voyant vivre vous dans les voies de Dieu, eh bien ces enfants-là suivront le chemin que vous aurez tracé pour eux dans Amen. les voies du Seigneur. Voilà la meilleure façon de présenter vos enfants à Dieu. Que Dieu vous bénisse sur ces quelques mots. Vraiment, je me sens poussé par Dieu pour dire ces paroles-là. N'offrez pas vos enfants à mammon, mais donnez-le pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, voici le message d'un frère. Nous devons nous donner de vrais conseils. Il a pris sa caméra, il allait sur Facebook, il s'est dit, il faut qu'il s'exprime, parce que quand il a vu un enfant prêcher comme ça avec vie, avec zèle, ça l'a touché. Cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo ici. Vous pouvez la voir de vous-même, en même temps notre réaction, c'est vraiment hors du commun. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. N'oubliez pas, donnez le nom qu'il faut à votre enfant. Parlez-lui du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du qui sauve, Jésus est son seul et unique sauveur. Que Dieu bénisse.